présumé assassin ancien président pays Jovenel Moïse te répond question juge instruction Gary Aurélien dans cas des affaires ça hier la police a été arrêté James Solage avec 16 autres présumés bandits un jour après assassinat président République là dans commune à Pétionville et c'est dans même journée jeudi an, juge instruction attendez directeur immigration avec immigration Joseph Sienciroli directeur Malbaye détail sous possible rentrée divers étrangers sous sol avant assassinat ancien chef l'État Joseph Sienciroli dit il était disponible pour n'importe les juges là tant a besoin donc pour les capables venir répondre en coutel dans micro Mac Gerson Félicitain. Bon, j'ai besoin des informations, des explications sur et possible qui te gagne sous étranger qui te rentré et époque et assassinat. Bon, on a des informations que nous gagnons et ça nous pas gagne, nous pas gagne. Bon, moi, quoi ça, parce que moi, je ne suis pas satisfait, mais la chose est la bonne. Vous gagnez pour retourner encore? Bon, je suis définitivement. Comment l'audition a été déroulée? Très bien, très bien. Très bien, l'ambiance est très relaxe. De bonnes questions et de bonnes réponses. Donc, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comment ça, le dossier et assassinat président? Et dans même journée hier jeudi à magistrat Gary Aurélien attendait tout James Solage qui était jeune arrestation comme monde qui impliqué dans assassinat Jovenel Moïse James Solage a payé pour retourner devant juge là d'après avocat maître Presner Sylvince qui lui-même pas de vrai baille trop détail après audition client liant James Solage yon moun yote arrêté même journée après assassinat président Jovenel Moïse était accompagné à 16 mercenaires colombien. Oui, Presner Sylvince, c'est avocat qui a une difficulté pour une jeune extrait sonore. Ancien premier dame République, la Martine Moïse, t'es doué invité dans la chambre instruction criminelle matin à partir 10h dans correspondance à juge instruction tribunal première instance Port-au-Prince-là, maître Ikenson et Dumé. Yotap Gepoutande, Martine Moïse à titre victime. Nous ne comprenons pas ça. Dans le cadre d'un dossier qui est motif escroquerie, faux accusage de faux en écriture publique sur facturation, blanchiment, l'agent avec association malfectaire contre l'État haïtien. Mais il est possible pour ancien premier dame de ne pas répondre à l'invitation, ça, puisque avocat Léo m'a demandé pour reporter l'audience dans l'autre date. Martine Moïse, qui était dans le cabinet d'instruction mercredi, dans le cadre d'enquête sous assassinat Maril Jovenel Moïse pendant plusieurs l'autre voix pleuvé pour demander pour y attendre dans quatre dossiers docteur Dorval et Martine qui semblait lui-même déjà là après le gain pour marcher en pile dans le tribunal élite dit li paré pour répondre toute invitation la justice fait dans cadre plusieurs dossiers côté yo accusé. Oui. Il y a un cabinet, M. Montferrier Dorval, qui est condamné à des actes de violence qui a fait sous monde, qui a réclamé justice pour bâtonner l'avocat Port-au-Prince. Il y a une note qui peut date jeudi 7 octobre. Oui, 7 octobre, il est condamné à toute force, toute acte de violence, à Kamaspinaï, qui fait sous citoyen, qui continue à réclamer justice pour M. Montferrier Dorval. Dans l'occasion d'audition ancienne première dame, non, Martine Moïse, dans le palais de justice. Mercredi, on a rappelé mercredi 6 octobre passé, un militant Chad Marslan qui t'a réclamé justice pour bâtonner l'ordre d'avocat Port-au-Prince, M. Montferrier Dorval. T'es passé un mauvais moment en bas main et partisan ou bien sympathisant Martine Moïse. Il y a ces réactions qui révoltaient cabinet M. Dorval avec certains autres militants qui craignent pour agissement politique. Ça y est, pas entravé dossier à côté. En pile, on attend lumière faite solide.
2740, c'est quantité haïtien, autorité dominicaine, vous voyez tout en Haïti, sorti premier pour arriver 30 septembre 2021, d'après rapport au groupe capable du réfugié rapatrié au Gard, de 25 052 autres compatriotes qui choisissent retourner avec propre volonté, ça qui fait un total 27 792 migrants haïtiens qui retournent dans le pays, toujours d'après Gard. Responsable communication structure ça, Mike Lysias, dénoncé autorité haïtienne qui n'a pas fait aucune diligence pour rendre compatriotes haïtiens légal sous terre voisin. Gard fait plusieurs recommandations au gouvernement haïtien dans l'idée pour assister aux ressortissants haïtiens pour éviter de continuer à violer. Nous allons rejoindre Jean-Georges Blaise, puisque environ deux mois après le tremblement de terre, 14 d'août passé, situation arrêtée catastrophique pour plusieurs familles dans le département Niplan. Côté Samba, à Paris, Cocoyer, une bonne famille à Paris, soleil avec l'appui. Mettez sous ça, ça fait de l'eau potable, arrêté en véritable tête chargée jusqu'à présent. C'est un bas gros difficulté pour Mounio, joindre de l'eau pour le boire. Jean-Georges Blaise, t'as le fait, yon fourniger, regardez en suivant le reportage. Là, nous dans la localité Jalousie, comme troisième section communale Plaisance, dans le département Niplan qui pâte panier en bas sous couche tremblement de terre. Presque deux mois après tragédie, événement ça semblait être vivant dans la mémoire moun sa yo qui pa gen ni rele ni répondre. Côté mouche l'État semblait oublier communauté ça qui aux abois depuis 14 août passé. Et malgré débarquement convoi humanitaire yo après catastrophe là dans grand sud là, jusqu'à présent, c'est en bas paye cocoyer, mousseau toal, mousseau tapis, en pile la victime yo apparaît soleil avec la pli. Nous la gué pour nous, qu'il est déjà dans l'état, a finalement atterri sous nous. Déclaration, c'est un enfant misayo qui a dormi à la belle étoile. À ta de l'eau potable, représente une véritable tête chargée pour si la yo qui vient pina fait pas bon après catastrophe là. Et qui sa que ta doué priorité pour moun sa yo dans la communauté ya, Géliel Virgil Oxylus, ak magistrat plaisance là, et Dimir Til. Expliquer. En attendant, ces organisations non gouvernementales, ça a les ONG, quelques bons samaritains tout, à côté mouvement pour développement Kafou, qui a fait aller venir dans le département pour porter secours by famille sinistrée. Love Chal, c'est une parmi les ONG ça yo, qui même promet pour aider victimes, reconstruire Kayo l'autre bois. Hubert Sévrin. En tout cas, avec l'appli qui a tombé de temps en temps dans le département Niplan, ça a été pigoté chargé. En pile dans la famille ça yo, côté certains yo, obligé à dormir en bas, reste écrasé yo. Alors que, depuis l'événement 14 août passé, la terre n'a pas jamais suspendu tremblé, d'après victime yo, qui toujours n'en courri. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Les dans celui du sud côté situation pas différent et par rapport à tableau Jean-Georges Blaise sous décrit là. Plus passé un mois après catastrophe 14 d'août là tout côté Mounio après les moun tout côté Mounio a plein nous pral parler avec père Didier qui dans Saint-Louis du sud par rapport à la situation zone ça nous espérons que ne pas tromper de position que tu trouver mon père donc dans Saint-Louis du sud c'est bien ça situation li encore une pique critique après tremblement de terre 14 d'août qui était ravagé tout grand sud là bonjour mon père. Bonjour pour ceux qui pendant ce et bonjour à toutes les auditeurs de la Caraïbe. Donc nous avons Jean-Georges Blaise qui visitait pour nous région Sahara, dans Grand Sud-là. Presque deux mois après tremblement de terre, la côté situation était catastrophique pour plusieurs familles dans le département NIP. Côté c'est en Bapay, Cocoyer, en bonne famille à Paris-Soleil avec l'appui. Moi, je voulais quoi situation pas différent dans le département Sud-PIA, Saint-Louis du Sud en particulier, côté là. Donc, il faut que nous disions que c'est Saint-Louis du Sud, mais c'est spécialement 5e section communale qui est les Sucreries-Henri. Côté vraiment situation vraiment critique, alarmante, et que nous avons dormi à la belle étoile jusqu'à présent. Et c'est dans des tentes qui sont avec toile et en pile majorité, nous n'avons pas gagné pour là, nous pas gagné tente. Vraiment, nous avons traversé un moment, une situation qui est vraiment critique.
Mais comment vous expliquez ça, mon père, gagner un pile aide qui quand même rivé ou qui destiné et à zone ça et c'est même plainte là quel que soit côté où aller que c'est dans Nip, que c'est dans Grandin, c'est même dans sud côté où il est là, Mounio pas joindre rien. Bon, sauf que nous qui majorité est unis, ou peut-être dans la grande ville y aller, mais zone qui est là, vraiment souffrir. Et à part quelques personnes qui sont venus un petit peu là, mais jusqu'à présent, majorité Mounio est toujours dans la rue. Donc majorité Mounio dans la rue et m'imaginer situation catégorie Mounsaïo était déjà critique et avec catastrophe là les vini puis critique mais qui pi gros problème qui pi gros besoin Mounio gagner je dis à Mounan communauté ou localité côté Parasoaia. Donc actuellement pi gros besoin Mounsaïo dans la rue c'est-à-dire côté priorité pour capable vivre de façon digne comme monde parce que actuellement dans tant que nous y a monde pas capable vivre dans conditions bête comme ça côté c'est en bas pour là à vivre dans des tentes côté c'est avec toile que monde même y en vivre c'est à dire un côté biologique un cadre ça qui est essentiel pour nous pour être capable de vivre dans la rue en pile c'est dans la rue c'était pas ce qui nous a construit. Donc c'est pas un premier appel ou à faire et c'est pas premier et fois peut-être pas adressé ou à concerner ou n'importe monde qui t'a capable et pour ton coup de main et à mon zone et situation à décrit là les passionnement concerné localité Kotoéa c'est toute zone et comme religieux et autorité religieuse dans zone et qui parle à mon yo confessé à ou même et qui gens ou penser yo ta doué aider moun yo à côté ça qui pi urgent pour zone nan mais si yo doué bay moun yo un accompagnement comment ça ta doué fait mon père donc n'importe moun qui capable d'en venir en aide avec moun capable contacter moun même en tant que prêtre responsable zone nan et puis les amis capable de venir avec et avec yo et puis nous capable aller côté moun loger côté loger et donc il y a un pile chiffre nan men nou nous capables de nous même qui besoin d'être dans le moment ça. Merci Père Didier ou après officier dans une paroisse qui est dans celui du sud où tu as parlé avec nous concernant situation zone ça une situation qui est encore critique et qui pas différent avec plusieurs autres localités dans le département sud là plus passé au mois après tremblement terre 14 d'Aoutlan qui était ravagé tout grand sud là. Merci beaucoup et bonne journée mon père. Merci, c'est moi-même qui vous remercie. Je suis client, lui, attend tout le monde qui est capable de m'aider dans mon mental parce que je suis vraiment à travers une situation critique, chaotique et à mon avis dans des situations infrahumaines dans mon mental. Merci, c'est moi-même qui vous remercie. L'autre information dans le journal là, matin, c'est en tout cas, on a parlé de association propriétaire pompe gazio qui eux-mêmes depuis plusieurs jours là a attiré attention autorité sur difficulté au gain pour alimenter pompe à cause bandit qui a saisi camion yo kidnappé chauffeur yo. Donc hier selon information nous réveillons donc tu as gagné deux camions que bandit est saisi pour pompio mais nous avons des difficultés le matin pour nous parler avec Marc-André Derifons pour Anapros et d'ailleurs qu'on interview l'été banouya mais qui a des difficultés pour diffuser matin mais on a essayé de rentrer en contact avec lui c'est pas facile pour l'été capable d'expliquer une situation puisque hier l'été parler avec nous pour dire nous gagner bandits qui continuent à en tout cas saisir camion gazio donc qui ça qui fait yo dans situation yo pas capable alimenter pompio dans zone vareuse situation répétée et également sur route Martissa donc on a fait contact tout à l'heure avec Marc-André Derifons sur sujet ça côté pompe gazio gain difficulté pour yo
provisionné yo à cause bandi qui a pas saisi camion yo n'a pas retourné sous sujet ça tout à l'heure Pierre. Bandi yo qui a créé propre loi yo dans pays en côté moun yo obligé vivre selon rite bandi yo moun yo pas passé dans zone côté bandi yo occupé moun yo rentré pi bonheur que d'habitude moun yo vivre avec dans l'esprit yo n'importe l'heure yo ka kidnappé yo et gen moun ki peut-être a fait budget hein, pour l'œil au kidnappé yo et qui j'ai fait hein, pour joindre moyen pour capable payer rançon en réalité difficile pour nous-mêmes haïtiens vivre. Je dis à l'équipe a quitté personne indifférent, je dis à même l'église pas épargné. Jusqu'à matin j'en ai dit Lina Titio gagné ni un dirigeant l'église qui encore dans mes ravisseurs yo. Après nous songer attaque qui était faite dans en premier l'église baptiste oui la réunion à côté gagné un fidèle qui après glacé dans morgue, c'est Jack et l'église ça, c'est l'air la faille était kidnappé madame ni qui libéré face à ensemble situation ça yo fédération protestante d'Haïti continue à lancer appel d'abord pour libérer pasteur mais tout appel pour inviter autorité au prendre responsabilité au face à situation insécurité ça pasteur Calix Flegido ou c'est président Fédération protestante d'Haïti encore avec nous pour intervention par rapport à gravation situation sécurité. Ah, bonjour. Bonjour monsieur Pierre Bonnel, bonjour Guerrier et bonjour tout staff Radio Caraïbes. Bonjour peuple haïtien dans quatre coins pays d'Haïti comme à l'étranger. Et bien matin encore nous trouvons dans une situation côté que nous continuons à prévoir nous bien haut. Pour nous condamner tous les actes de kidnapping, vol, meurtre, assassinat qui continuent à se mettre d'œil dans la population haïtienne. Et on va profiter de l'espace ça matin pour adresser qui message à qui est-ce? Eh bien, matin, nous profitons l'occasion ça pour nous adresser premièrement à groupe ravisseur. Qui continue à se mettre d'œil dans l'église, kidnapper pasteur, fidèle. Yo. Et nous partager toute sympathie, nous présenter sympathie, à Idmo, Michel Exil, qui était tombé dans la mission. Ni. Et ensuite, tout le monde qui a kidnappé, nous avons le frère Nestor. Grégory, samedi 2 octobre, il a été kidnappé dans la soirée. Devant l'église Wesleyenne et ensuite dans dimanche 3 côté que même ravisseur ça yo yo rentré en dans l'église Jesus Center dans Delma 29 yo allé avec un pasteur Ferrer et de l'autre fidèle encore donc nous venons arriver aujourd'hui à nous ouais ravisseur yo pas aucun respect même pour l'église qui représentait une force morale dans le pays d'Haïti, et bien aujourd'hui, nous profitons l'occasion ça pour nous condamner fermement les gens des Axayo qui continuent à produire dans le pays d'Haïti. Nous avons posé peut-être nos questions. Qui côté autorité l'État yo passé? Qui plan qui fait pour capable freiner les gens des Axayo? Peuple haïtien bouquet, peuple n'a pas qu'à vivre encore, peuple a non sécurité, sécurité, c'est moi. Donc, nous avons demandé ravisseur pour être capable de libérer pasteur Ferrer et tout l'autre monde qui en bas, mais encore l'autre fidèle et tout l'autre monde encore, parce que la population a plongé dans une situation. Fait noir côté le pas connaît qui côté pour mettre pied. Pas oublier la vie c'est yo n'a fait connait bon Dieu créer tout le monde avec liberté yo. Ça veut dire intégrité mon nan, personnalité mon nan, dignité mon nan de respecter. Donc t'a demandé pour nous libérer pasteur pour nous sans condition parce que pasteur vraiment les gens communauté l'a desservi et pas oublier yon pasteur qui ça le représente dans la communauté. Donc, un pasteur, c'est un berger qui est lié.
Donc c'est l'amour qui a prêché, c'était ensemble qui a prêché. Alors mes amis, n'a demandé comme yo mandé pasteur avec mon yo côté pas jeune comme ça pour yo bail. Donc n'a demandé s'il vous plaît, ravissez yo libérer pasteur et ensuite pratique rentrant dans l'église pour nous kidnapper mon yo devant l'église. Ou bien quel que soit côté n'a fait ça, n'a demandé nous camper freiner gens de pratique ça yo parce que bon Dieu dans ciel là lui-même l'elle frappe pied lui à la Dieu en pile. Donc alors c'est tout ça que nous te gain matin pour nous dire et n'a demandé autorité l'état yo chef la police là qui ça nous attend encore. Donc pour nous bien rempli attribution nous pour que peuple haïtien capable vivre en toute quiétude dans pays. Nous profiter occasion ça tout pour nous remercier et toute meilleur yo toute l'autre organisation religieuse et d'autres encore qui te contribué ensemble avec nous à appuyer. Donc un jour vendredi 1er octobre là comme une journée grève en signe de contestation et de protestation et aussi un jour dimanche là côté que tout le monde fait habillé mandé habillé en noir et blanc même ma fait population qu'on autorité d'état qu'on est et nous même hier soir c'est une grosse réunion avec un pire représentant meilleur lieu et de l'autre organisation encore nous en consultation qu'on a fait pas de réponse je retiens nous parle bail non. C'est tout pays d'Haïti qui va le camper. Vraiment, donc, soit pays à continuer. Donc, pour nous capables de vivre dans toute quiétude, ou bien l'autorité de l'État a fait un choix, parce que bagaille arrive en côté, il y a un proverbe qui dit même les moutons fâchés, même pied devant les voyer. Donc, nous appelons l'autorité de l'État, messieurs, c'est nous qui là, pour qu'ils garantissent la sécurité du peuple là. Si nous faillons la mission, nous, et bien, qui côté peuple, lui-même, il va joindre protection et sécurité. Donc, alors, c'est ça que nous avons dit matin. Nous avons demandé à l'autorité de l'État, ravissez pour libérer les gens, l'autorité de l'État, prendre responsabilité, nous, messieurs, sinon, pas capable, messieurs, de tirer la référence. Merci, pasteur Calixte Fleuridor. On a rappelé où c'est président.